Les trois petits cochons. C'est l'histoire de trois petits cochons qui s'appellent Nif Nif, Nouf Nouf et Naf Naf. Ils veulent chacun se construire une maison. Mais il y a un loup féroce qui vit dans ce pays. Mais Nif Nif, Nouf Nouf disent qu'ils n'ont pas peur du loup. Naf Naf, lui, veut bâtir une maison solide pour se protéger du loup. Nif Nif n'aime pas bricoler parce qu'il est paresseux. Il a choisi de fabriquer sa maison avec de la paille parce que c'est plus facile. Il construit les murs avec des bottes de paille qu'il attache avec de la ficelle. Comme il n'a pas peur du loup, il trouve qu'elle sera bien assez solide comme ça, sa maison. Nouf Nouf, lui, a décidé de construire sa maison en bois. Il construit les murs avec des planches qu'il cloue avec son marteau. Mais comme il n'est pas très bricoleur, il y a beaucoup de coups tordus qu'il faut arracher avec une pince. La maison est fragile parce que ce n'est pas un vrai menuisier. Si elle n'est pas très solide, ce n'est pas grave parce qu'il n'a pas peur du loup, lui non plus. Et voilà le chantier de la maison de Naf Naf. Naf Naf porte une salopette pour travailler. Il préfère utiliser des pierres et du ciment pour bâtir sa maison parce que c'est beaucoup plus solide que la paille ou le bois. Comme c'est un vrai maçon, il a plein d'outils et une brouette où il met les pierres pour les transporter. Il met beaucoup de ciment entre les pierres pour qu'elles tiennent bien. Naf Naf a déjà installé une porte épaisse où il a posé une grosse serrure qui ferme à clé. Il croit que le loup n'arrivera jamais à pénétrer dans sa maison. Il ne pourra pas la casser non plus parce qu'elle sera très solide quand elle sera terminée. Voilà le loup, il est gigantesque et affreux. Quand il arrive devant les maisons, il hurle en montant ses crocs pour effrayer les trois cochons. Alors les petits cochons courent se mettre à l'abri dans leur maison. Nif Nif se cache dans sa maison qu'il a fabriquée avec juste de la paille et de la ficelle. Mais le loup souffle très fort pour qu'elle s'écroule. Et comme cette maison de paille est très fragile, elle s'écroule aussitôt. Et Nif Nif se retrouve le derrière par terre. Alors il se sauve en courant pour aller se mettre à l'abri chez son frère Nouf Nouf. Nif Nif et Nouf Nouf se serrent l'un contre l'autre à l'intérieur de la maison, où ils sont cachés. Quand il arrive, le loup souffle très fort pour faire tomber la maison de bois que Nouf Nouf a construite. Et la maison de bois s'écroule elle aussi, car elle n'est pas solide non plus. Nif Nif et Nouf Nouf se sauvent en courant chez leur frère Naf Naf, qui ferme bien la porte à clé derrière eux. Les trois petits cochons se serrent l'un contre l'autre à l'intérieur de la maison de pierre où ils sont enfermés. Par la fenêtre, il voit le loup à l'extérieur de la maison qui se prépare à souffler. Le loup souffle très fort sur la maison de pierre pour qu'elle s'écroule, comme les deux autres maisons. Mais la maison de pierre est très solide, elle ne s'écroule pas. Alors le loup souffle encore plus fort, mais elle ne s'écroule toujours pas. À la fin, il est obligé de s'arrêter parce qu'il est tout essoufflé. Le loup essaie de casser la porte, mais elle est très épaisse et elle est fermée à clé. Alors il va chercher une échelle pour grimper sur le toit et passer par la cheminée. Mais quand les cochons l'entendent marcher sur les tuiles, ils allument un bon feu de cheminée. Le loup entre dans la cheminée pour se glisser à l'intérieur de la maison. Mais il tombe dans le feu où il se grille la queue. La brûlure à la queue, ça lui fait tellement mal qu'il trouve la force de remonter dans la cheminée et de ressortir à l'extérieur de la maison.
Les trois petits cochons chantent et dansent parce qu'ils voient le loup qui fuit au loin en se tenant la queue. Nif Nif et Nouf Nouf décident de se construire des maisons aussi solides que celles que Naf Naf a déjà construites. Quand ils auront fini leur travail, le loup ne pourra plus détruire leur nouvelle maison pour les dévorer.